Chambre froide. Ada mu chambre froide. Ndio anasema aikale kwa kule kwa mkebuka. Na tutapanga na tutamikomunike. Kamkolobondo. Madame le maire de la ville d'Académie, que vous connaissez d'ailleurs tous, Madame Martine Safari Kanino, la dame du changement, qui nous a délégués, n'est-ce pas, pour marquer aussi notre présence ici en son nom. Par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, que nous saluons tous, nous allons placer un petit mot en ces termes. Avant tout, nous tenons à remercier sincèrement la délégation qui est venue de Lubumbashi. Nous leur disons que c'est un grand honneur pour non seulement la ville d'Académie, mais aussi également pour la province de Tanganyika, que nous aimons tous qui sommes ici. Mesdames et messieurs, pour entrer dans ce que le coordonnateur qui est venu de Lubumbashi a dit dans ses préambules, pour dire que le football est au départ apolitique, le football est hospitalier, le football n'a pas de couleur unique. Ça signifie que lorsque même vous allez constater qu'il y a un match de foot qui oppose des équipes, il y a toutes les tendances religieuses, politiques qui se retrouvent au stade. C'est pour vous dire que le foot n'a pas de tribus, n'a pas de partis politiques, le football est ce qu'il est et tous nous sommes membres. Pour cela, j'en profite pour dire à tout celui qui a pris la responsabilité ce soir pour jouer tel ou tel autre rôle, dans des différentes structures qui venaient d'être montées en notre présence, de rester dans ces principes sacro-saints qui dit que vous devez être hospitalier, vous devez considérer tout le monde comme votre membre. Moi qui vous parle, je suis membre vacciné de tout puissant Mazembe. Nous n'allons pas terminer notre petite allocution ce soir sans remercier de vive voix nos élus du peuple qui ont honoré cet événement. En l'occurrence, l'honorable député national Manda Kassabala, que je respecte beaucoup. D'ailleurs, je vous demande d'applaudir pour lui quand même. Également, nous descendons en province où nous trouvons encore les députés provinciaux, qui est mon aîné scientifique, mon enseignant d'ailleurs aussi. C'est le chef des travaux, honorable Katempo. Leur présence ici m'a personnellement réconforté et je me suis rendu compte que l'événement a réussi. Sans éterniser la parole, je vais remercier aussi, au nom du maire de la ville, les organisateurs de ce grand événement de ce soir ici qui a honoré non seulement notre ville d'Académie qui est sa juridiction et aussi la province de Tanganyika, et je vous remercie.